Good morning, Aleiden. Nous sommes le vendredi 22 Adar, 5776. Et l'étude sera le Rivka, Batsara, Rachel, Batsara, Tzvi, Dov, Ben Chaya et Yosef Shmuel, Ben Pnina. Nous étudions Baba Kama, Perek Zayin, Mishnah Zayin. En Megadlin, Behema, Daka, Be'eretz Israël. Aval Megadlin, Besouria. Ou Vemitbarot, Be'eretz Israël. En Megadlin, Tarnegolim, Birushalayim, Mipenea, Konashim. Velo, Kohanim, Be'eretz Israël, Mipenea, Taharot. En Megadlin, Chazirim, Bechol Makom. לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. אין פורסין נשאבין ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב, 30 ריס. Première partie de la Mishnah nous enseigne qu'on n'a pas le droit d'élever en Eretz Israël du menu bétail dans les villes, ou dans les périmètres en tout cas des villes, étant donné que le menu bétail va et broute dans les champs qui ne leur appartiennent pas. De manière générale, on a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, et il y a aussi une mitzvah de tout faire pour que vivre en Eretz Israël soit agréable. De cette mitzvah, de cet axiome, découlent plusieurs instructions de choses à faire ou à ne pas faire, en Israël en général, on apprendra aussi à Yerushalayim pour encore d'autres raisons de Touma Vetahara. En tout cas, concrètement, notre première Mishnah nous dit, lorsque tu élèves des ovins, ils vont ibrout dans les champs qui ne leur appartiennent pas, ça énerve les gens, ça les met de mauvaise humeur, et alors là on perd la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Concrètement, est-ce qu'à cause de ça les gens vont partir vivre en Chutz La'aretz? Je ne sais pas, parce qu'en Chutz La'aretz aussi il y aura aussi des ovins. Mais malgré tout, en tout cas, sûrement il faut comprendre qu'il ne faut pas leur pourrir la vie tout simplement. Il y a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël de tout faire pour que ce soit agréable. Il y avait même la Gemara, elle raconte pas dans Baba Kama cette fois-ci, je crois que c'était dans Sanhedrin plutôt. La Gemara qui raconte d'Amoraïm qui partait planter des jardins agréables en Eretz Israël pour que ce soit agréable, bon, que ce soit bon à y vivre. La Gemara aussi déduit aussi dans Baba, ici, dans cette Gemara ici, qu'en Babel, en Babylonie, qu'après l'exil du Ham Israël, là-bas c'était devenu un grand centre de Torah, alors ils ont fait que toutes les taklanotes, tous les décrets de rendre agréable la vie en Israël l'ont fait aussi en Babel pour que ce soit agréable, pour que les gens viennent vivre là où il y avait de la Torah. C'est la même idée, d'accord? Favoriser en fait l'habitation dans les endroits où il y a de la Torah, où il y a de la Kdusha. C'est l'axiome. On fait ça dans les mots. En Megadlin Behema Daka Be'eretz Israël. On n'élèvera pas de les Gadel, oui, comme les Ligdol, grandir. Donc on n'élèvera pas de Behema Daka. Du menu bétail, Be'eretz Israël, en Eretz Israël. Aval, Megadlin, Besouria, par contre, on a le droit de les élever en Souria, en Syrie. La Syrie était initialement, a été conquise par David Ameler, et donc faisait partie intégrante d'Eretz Israël. Malgré tout, il y avait une Gdoucha un peu moindre, et de ce fait, si la vie est désagréable là-bas, et bien maximum les gens, ils venaient vivre en Israël, et c'était que mieux, au contraire. Alors, il n'y avait pas de Inyan, il n'y avait pas de nécessité à rendre la vie particulièrement agréable en Souria. Idem aussi, Ovemit Barot, chez Eretz Israël. Si on habite dans des endroits de désert, ou plutôt, il faudrait comprendre, de forêt, alors là, on a le droit d'élever du menu bétail en Eretz Israël. Vous allez me dire, et quoi, le gros bétail, il ne va pas brouter dans les champs des autres? Réponse, c'est vrai, mais le gros bétail, étant donné qu'on en a quand même besoin pour travailler, on ne peut pas interdire d'avoir tout animal, sinon on ne va plus s'en sortir. Il faut bien avoir des taureaux pour labourer et pour faire toutes sortes de travaux. De ce fait, l'interdit a été prononcé spécialement sur le menu bétail et pas sur le gros bétail, d'accord? Deuxième partie de la Mishnah maintenant, les poules, les coqs, les volailles de manière générale, toutes les volailles vont souvent traîner dans les poubelles. Or, dans les poubelles, il y a des rongeurs, des rampants, des rongeurs, morts, des fois des bouts de serpents, ça peut être des serpents, toutes sortes de souris ou d'animaux qui sont metamim, qui véhiculent une touma, une impureté. Or, à Yerushalayim spécialement, les gens montaient à Yerushalayim pour apporter leur korbanot ou pour manger leur maaser sheni. D'accord? C'était toutes sortes des dîmes qu'il fallait nécessairement veiller à les conserver betahara, dans la pureté. De ce fait, il ne fallait pas élever des poules de manière libre à Jérusalem, de peur que ces poules vont ensuite traîner dans les poubelles et vont tirer là-bas des shratzim, donc des rampants morts, et les faire sortir. Et comme ça, les gens vont devenir tamés sans faire exprès, ils vont marcher dessus, ils vont devenir tamés. C'est pas possible, il faut écarter toute l'impureté de Yerushalayim. Ça, c'est pour Yerushalayim spécialement. Donc, En Megadlin Tarnegolim, Birushalayim, Mipenei Akodashim. On n'élèvera pas de poules à Jérusalem à cause des Kodashim,
à cause de tous les korbanot, tous les, d'accord, les aliments sanctifiés au Beth Amikdash, qui fait manger à Jérusalem. Rabbi Akiva Enger précise au nom du Rama Mipano que c'était uniquement de les laisser libres. Par contre, avoir un je sais pas si c'est un poulailler, enfin de manière un enclos fermé, un poulailler, ouais, un poulailler fermé où là-bas les poules ne sont pas libres, ne vont pas fouiner dans les poubelles, alors là ce serait permis de les avoir même à Jérusalem. Et enfin, la Mishnah continue aussi, elle nous dit aussi Velo Kohanim Beret Israël, Mipene Ataharot. Tous les Kohanim, à l'époque, veillaient à toujours vivre dans la pureté, parce qu'ils mangeaient constamment de la Trouma, et la Trouma, il fallait veiller à ne pas l'impurifier. De ce fait, les Kohanim n'avaient pas le droit d'avoir des poules libres chez eux. D'accord ? Troisième partie de la Mishnah En Megadlim Chazirim Bechol Makom. On n'a pas le droit d'élever des cochons nulle part. Pourquoi? Alors, d'abord, une petite introduction rapportée dans le Tosfot, rapportée ici par le Tosfot Yom Tov. Tout d'abord, élever des aliments non cachers, alors c'est interdit pour tout juif de faire un essek, d'avoir son affaire d'aliments non cachers. Malgré tout, lorsque l'animal non cachère sert pour d'autres fins que de la nourriture, par exemple, en l'occurrence, du chazir, le cochon, il a une graisse qui est intéressante à l'époque pour le cuir, on utilisait sa graisse pour graisser les peaux, d'accord, les peaux en cuir. Dans ce cas-là, on a le droit d'élever des cochons, en théorie, ou tout animal tamé, on a le droit d'élever des chevaux, même si le cheval n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour se déplacer. D'accord. Donc partant de ce principe, on aurait le droit d'élever du cochon. Alors pourquoi la Mishnah nous interdit d'élever le cochon, spécialement, et de partout? Ni en Eretz Israël, ni même en Chutz Laaretz. Pour la simple raison, à cause d'une histoire, il y avait à l'époque des Bnei Hashmonaïm, la dynastie des Hashmonaïm. Après la très belle histoire de Hanouka, il y a eu un problème, c'est que les Hashmonaïm ont gardé ensuite la Melucha, la royauté, et puis à la fin, il y a eu des tas d'histoires, ça s'est mal fini cette histoire justement. Et il y a eu un moment où il y a eu une guerre entre deux rois Hashmonaïm, qui s'appelaient Oukenos et Aristoblast. Ils se sont fait une guerre, l'un résidait dans Jérusalem et l'autre l'assiégeait de par dehors. Pendant une certaine durée, ils avaient un accord entre eux que pour apporter le Korban Tamid, la Ola, l'Holocauste qu'il fallait apporter le matin et l'après-midi au Beth Amikdash, ils avaient un accord que ceux de Jérusalem faisaient descendre par une corde de l'argent et ceux de dehors, ceux qui assiégeaient, donner un mouton deux fois par jour, donc deux moutons par jour, et le faisait monter pour ensuite l'apporter au Beth Amikdash. C'est un accord qui est entre eux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, il y a eu un helléniste juif, un mauvais juif malheureusement, qui a dit au camp adverse, donc qui faisait le siège, qui leur a dit « Vous êtes fous, plus vous leur donnez des corbanotes, plus ils réussissent à tenir la route, cessez de leur donner des corbanotes et vous allez voir comment ils vont, en peu de temps, céder et ouvrir les remparts tellement qu'ils vont mourir de faim. » Alors ils leur ont fait une blague de mauvais goût, c'est qu'ils ont attaché à la corde, quand ils ont reçu l'argent, ils ont attaché à la corde un cochon, et ils ont commencé à tirer le cochon. Et là, la Gemara nous raconte que quand le cochon est arrivé à mi-hauteur du rempart de Jérusalem, il a planté ses sabots dans la... Je sais pas si on dit des sabots, ouais, c'est sabots. Il a planté ses sabots dans la muraille de Jérusalem, et alors il y a marqué dans la Gemara que toute la terre d'Israël a tremblé de 400 parsas. Pour vous donner une idée, une parsa, je crois que ça fait l'équivalent de 4 km. Donc multipliez ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est sûr que la Gemara parlait de manière grossie. Il y a même un Maharsha qui explique, c'est rapporté par le Tirat Israël ici. Un Maharsha qui raconte dans Sota qu'en réalité, le cochon qui a planté ses pattes dans la muraille de Jérusalem, c'est aussi à prendre de manière métaphorique pour exprimer que c'est plutôt Edom qui est comparé toujours au cochon. D'accord, Malchut Edom, qui est comparé au cochon, qui a réussi ensuite à planter ses pattes dans la muraille de Jérusalem, qui va réussir à cause de ça, de cette haine qu'il y avait entre eux, qui a abouti finalement à la destruction de Jérusalem. Donc, à cause de cette histoire, lorsque la terre d'Israël a tremblé, les Chachamim qui étaient là-bas ont décrété « Un juif n'élève pas de cochon, et dès lors, un juif n'élève plus jamais de cochon. » D'accord. Ensuite, quatrième halakha de la Mishnah. « Lo yegadel adam et akelev » Un homme n'élèvera pas de chien, sauf s'il l'attache constamment, en journée bien sûr, avec une chaîne. On parle d'un chien dangereux. À cause de lui, il arrive, et c'est très fréquent,
que des femmes avortent à cause d'un chien. Elles prennent peur, d'un coup il y a un chien qui leur surgit, et elles perdent leur embryon. De ce fait, on n'a pas le droit de garder, d'élever un chien dangereux chez soi. D'accord. Sauf si, alors l'Agma nous donne quand même quelques précisions, si on habite sur une ville, à une ville qui est à la frontière, on a peur des voleurs, peu importe. S'il y a une nécessité de garder, alors il faudra l'attacher en journée, on le libérera la nuit, mais en journée il devra forcément rester attaché. Il y a aussi un autre truc, aussi un petit chien qu'on garde à la maison pour chasser toutes sortes d'intrus, d'accord, de serpents, peu importe, de rongeurs qui pourraient traîner dans la maison. Alors là, on a le droit d'avoir un petit chien à la maison, par contre. Ça, c'était pour la quatrième halakha. Et la dernière halakha de la Mishnah, En porcine nishavim leyonim, et la imken hayarachok minayishuv shoshim ris. Quelqu'un qui veut mettre des pièges à oiseaux, à pigeons, il va attraper des pigeons pour les manger, d'accord, ou peu importe, il veut les mettre en dehors de la ville, de combien doit-il écarter son piège de la ville? Alors la Mishnah nous dit « Shloshim ris ». Ris, il y a Tosfot qui explique dans Baba Batra que ris, ça peut être lui aussi « rousse ». Rousse, alors ça fait en Gematria, ça fait 266, ça fait 266 amas pour un ris, donc on t'a demandé d'écarter de 30 ris. Ça fait, je l'ai noté, ça fait 7980 amas, soit, disons, 8000 amas, ça fait l'équivalent de plus ou moins 4 km. Si tu veux mettre un piège à pigeon près de la ville, tu dois nécessairement le mettre à 4 km de la ville. Pourquoi? Pour la simple raison que les habitants de la ville ont déjà des pigeonniers chez eux à la maison, qui laissent en liberté, qui vont, qui volent et qui reviennent. Or, si tu vas mettre ton piège trop proche de la ville, alors il va s'avérer que tu vas être tout content d'avoir réussi à attraper un pigeon, mais tu as attrapé le pigeon qui appartenait à quelqu'un d'autre. Donc pour pouvoir être sûr que tu vas avoir un pigeon du Hefker qui appartient à personne qui va venir, tu dois écarter ton piège à pigeon de 4 km de la ville. Voilà pour la Mishnah. On fait rapidement le Barthénora Bezant Hashem. En Megadrin Behema Daka Be'eret Israël. On n'a pas le droit d'élever des ovins en Israël, Mishum Yishuv Eretz Israël, chez Mafsidim et Azraim, à cause de la misva de Yishuv Eretz Israël, de s'installer en Eretz Israël, car c'est ce menu bétail va et mange les plantes qui traînent. Aval Megadlin Besoria, par contre, on a le droit de les élever en Syrie, Aratzot, chez Kavash David, les terres que David Amalech avait conquis. Delav Shmekibush, Velochaishinan la Leishuv. Ça ne s'appelle pas vraiment une vraie conquête, c'est-à-dire c'était oui une conquête qui appartenait au Ham Israël, mais qui n'a pas eu la même doucha de Eretz Israël. Et une doucha moindre. Il y a quelques halachot qui ressemblent à Eretz Israël, d'autres halachot que non. Et donc, Velochaishinan ba Leishuv, et dans ces endroits-là, on ne craint pas la misère de Yishuv Eretz Israël. Veimif Yafsidou Sadot Achirim Yeshalemena. Bien évidemment, tu as le droit de les élever. Tu as le droit de les élever, c'est vrai, mais tu devrais quand même rembourser si ton. L'animal est quand même rentré et a mangé chez l'autre. En Megalin, Tarnegolin, Birushalayim, Mipne Kodashim. On n'a pas le droit d'élever des poules, des coqs à Jérusalem à cause des Kodashim. Tout ce qui est Kadosh qu'on mange, tous les aliments saints, les korbanot. Chez Ochlim, Sham, parce que là-bas on mange. Vedar Tarnegolim, les Naker, Bashpa, les poules ont l'habitude de traîner dans les poubelles. Veshema Yaviu, Etsem, Keseora, Minasheretz. Veyetamu. Et à Kodashim, Kaseor Minasheret. C'est un problème de lecture dans cette Mishnah là. J'ai une remarque chez moi. En tout cas, les poules vont dans les poubelles et risquent de là-bas de nous ramener un petit Etsem Kaseor. Un os de la taille d'un Seor, d'une sorte d'un grain d'orge, du Sheretz. Et Veyetamu et à Kodashim, à cause de ce petit bout d'os qu'ils vont nous ramener d'un animal impur, alors ça va rendre impur maintenant les Kodashim. Et il ne faut pas les faire perdre. Velo egadlo kohanim tarnegolim bechol eretz Israël. Les kohanim ne peuvent pas les élever dans toute eretz Israël. Pourquoi? Mipnei ha'taharot shehakohanim ochlim truma vetzrichim leshomra betahara. Parce que les kohanim ils mangent la truma, ils doivent veiller à la garder dans la pureté. Chazirim. Alors il ne fallait pas élever des cochons. Mefresh bagmara, mefresh tama bagmara. La Gemara explique la raison. Kshetzavu malchi chashmonai ze al ze. Lorsque les rois chashmonaim ont fait un siège l'un à l'autre. Ayu regelim becholiom sheayu elu shebachutz ma'alim laem tmidim laelu shebifnim. Ceux qui étaient dehors faisaient monter un tamid, un korban tamid, donc un mouton qu'on apportait, à ceux qui étaient à l'intérieur. Yom echad elu laem chazir, un beau jour, ils l'ont fait monter un chazir, un cochon. Kevan shegia lechatzi choma,
Lorsqu'il arriva à la mi-hauteur de la Choma, du rempart, Na'atz Tzipornav Bachoma, il a planté ses pattes dans la muraille. Venizdazea Eret Israël, Arba Meot Parsa, toute la terre d'Israël a tremblé 400 Parsa sur 400 Parsa. Beotasha Amrou, Arora Megadel Chazirim. C'est pas juste qu'il y a un interdit, c'est qu'il y a une klala. Chachamim ont fait une klala à celui qui a une klala, une malédiction, ont jeté une malédiction à celui qui élèvera des cochons. Et à quel élève maintenant, un homme n'a pas le droit d'élever un chien, mais il peut chez nos chers parce qu'il mord, ou menabéach, ou même tout simplement il aboie, ou ma pellette Isha Mirato, et une femme fraîchement enceinte, ou même d'accord, une femme enceinte peut avorter à cause de lui. Nishvin, c'est quoi Nishvin? C'est Pachim. C'est ce qu'on a la dernière partie de la Mishnah où il ne fallait pas planter des pièges à oiseaux. Chez le Kedou Bahem, Yone Bene Ishuv, afin qu'il ne capture pas des pigeons qui appartiennent à ceux qui habitent déjà dans la ville, qui ont déjà des propriétaires. Shloshim Ris, ça correspond à Arba'a Milin. Shloshim Ris, donc on avait dit que c'était 8000 amas, 4 km, ça correspond justement à 4000. Chaque mille, c'est Alpaï Mama, donc ça fait 1 km. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Rendez-vous, Bezrat Hashem, dimanche. Kol Tov, c'est là, Shabbat Shalom.